Selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba, rendu au mois de juillet 2021 courant, 9000 localités au Cameroun ne sont pas encore électrifiées sur les 13104 que compte le pays. Une situation qui plombe le développement de nombreux secteurs économiques. Le gouvernement est en quête d'importantes sources de financement pour pallier à ce problème. Dans le cadre de sa coopération avec la Côte d'Ivoire, la Banque africaine d'import-export a annoncé avoir investi près de 3,5 milliards de dollars dans ce pays. La banque a indiqué avoir fait le point de la coopération avec la Côte d'Ivoire avant d'ajouter que le pays a fait des progrès dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. L'opérateur de téléphonie mobile Orange revendique au Cameroun 70% des parts de marché avec les 880 milliards de francs CFA de transactions par mois. À l'occasion de la commémoration des 10 ans d'existence de son service mobile monnaie au Cameroun, que l'opérateur de téléphonie mobile Orange a dressé le bilan de ses activités. milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire à l'électrification de 9000 localités au Cameroun, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba. Les données révèlent en effet un taux d'électrification nationale qui se situe en deçà de 40%. Sur les 13104 localités que compte le pays, 68,7% broient encore du noir. Le gouvernement, pour résoudre le problème du déficit énergétique au Cameroun, doit d'abord opérationnaliser et optimiser les institutions et structures existantes parce que il y a une grande perte d'énergie du fait du transport et cette grande perte d'énergie pourrait être corrigée en renforçant structurellement la qualité de service de la Sonatrel, la société qui a été créée spécialement pour le transport de l'énergie. Le ministère révèle que face à ce problème, le gouvernement a mis sur pied en cette année 2021 un fonds de développement du secteur de l'électricité qui pour l'instant n'est doté que de 7 milliards de francs CFA. La seule région du Nord aurait besoin pour une bonne couverture en électricité de 267 milliards de francs CFA, d'où la nécessité de trouver d'autres sources de financement. Avant de penser aux milliards qu'il faut investir pour renforcer l'opérationnalité du secteur énergétique, je pense qu'il faut d'abord rendre plus opérationnel et plus fluide les structures créées pour le renforcement du secteur énergétique. Tant que l'interconnexion et l'optimisation du transport énergétique n'est pas résolue, ça ne sert à rien de spéculer sur le nombre de milliards qu'il faut pour renforcer structurellement le secteur énergétique. Le déficit énergétique au Cameroun plombe de nombreux secteurs d'activité en limitant le développement d'activités économiques majeures dans de nombreuses localités à fort potentiel industriel. Depuis quelques années, le gouvernement a lancé des chantiers pour multiplier les sources énergétiques. Le barrage de l'Ompanga, quasi achevé, devrait pouvoir fournir 60 MW d'électricité supplémentaire à la région de l'Est d'ici le mois de décembre 2021. milliards de dollars, c'est le montant qu'a investi la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, dans le cadre de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le président de la banque, Bénédicte Orama. Il a indiqué avoir fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Afreximbank, avant d'ajouter que le pays a fait des progrès dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le président de l'institution a annoncé les perspectives d'un apport financier pour la poursuite de ladite campagne dans le cadre de l'initiative du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins de l'Union africaine. L'accès à 220 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 à injection unique de Johnson & Johnson avec la possibilité de commander 180 millions de doses supplémentaires. «
Au Cameroun, l'opérateur de téléphonie mobile Orange revendique 70% des parts du marché avec 880 milliards de francs CFA de transactions par mois. C'est à l'occasion des 10 ans d'existence de son service mobile monnaie au Cameroun que l'opérateur de téléphonie a dressé le bilan de ses activités. S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur d'Orange Monnaie Cameroun, Emmanuel Tassebedo, a déclaré que son service mobile monnaie comptabilise en 2021 des transactions cumulées mensuelles d'un montant de 800 milliards de francs CFA, soit 9 600 milliards par an. Pour réaliser cette performance, Orange Monnaie s'est positionné au cœur des transactions financières des entreprises et des particuliers au Cameroun. Afin de pallier au déficit d'énergie en Afrique subsaharienne, Statkraft a octroyé à SolarEd le montant de 2,7 millions de dollars pour financer le déploiement du solaire sur le continent. Cette aide du développeur européen d'énergie renouvelable permettra de soutenir les efforts de l'organisation caritative internationale SolarEd pour déployer de l'énergie solaire en Afrique. En plus de 2,7 millions de dollars en espèces, du matériel est aussi attendu pour les trois prochaines années pour lutter contre la pauvreté énergétique en Afrique subsaharienne. L'objectif est de participer aux efforts déployés pour que tous les foyers, écoles et établissements de santé aient l'accès à l'énergie d'ici 2030. Dans les centres de santé, la subvention peut aider le personnel soignant à stocker des vaccins tels que celui contre le Covid-19 dans des réfrigérateurs à énergie solaire pour une administration en toute sécurité.